戦士ペンドラゴンアームド、デスドロップ。La sixième. Pauvre Angelo, je l'ai victime. Ouais. Dans l'animé, donc dans Inazuma Eleven 1, la saison 1, quand Jack devait apprendre, il devait sauter pour apprendre le trampoline du tonnerre. Jack, tu parles ? Un moment, oui, de Jack. Ouais. Un moment, il y a un insecte, il a vu un insecte par terre et il a fait un bond de plusieurs mètres, malgré ses 3 tonnes. Non, je rigole. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Ok. Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Et quel est cet insecte? Mais c'est un insecte. Oui, mais quel est l'insecte? Non, c'était une fourmi. Non, c'était plus gros, visqueux. Un indice, visqueux. Ah, un visqueux, une chenille. Non. Un ver? Tu te rapproches, mais c'est pas ça. Une limace. Oh putain, non, c'est pas ça. Bon, tant pis, c'était quoi? C'est un escargot. Ah, bah je m'en rappelle pas. Oh là là, c'était dur ça. C'était dur quand même ça. Ah bon? Ouais. Allez, la sixième, celle-là elle est facile. Dis-moi le nom complet du premier esprit guerrier de gardien qu'on voit dans l'animé. Inazuma Eleven Go Chronosome. Ou Inazuma Eleven 1. Bah Inazuma Eleven 1. Le premier esprit guerrier de gardien. Putain, est-ce que je me rappelle plus si celui des chevaliers noirs, des empereurs noirs, ou enfin l'équipe de Victor Blade, je sais plus s'il utilise un esprit guerrier de gardien. Oh non. Est-ce que t'as le nom au moins? Bah j'aurais dit noir. Non. Non, c'est de l'attaque ça, mais non. J'aurais dit je vais dire putain, Titan le géant. Perdu, c'était Goliath le géant. Non mais non. Mais non, putain. Titan le géant, attends, c'est celui de qui ça déjà? Celui des gardiens des mers lunaires, l'équipe de deux. Ah oui, ouais, Titan le géant, ouais. Ouais, c'est ça. Non mais ouais, bah, c'était Goliath le géant de comment... Attends, il s'appelle Nirvana. Ouais, comme le groupe de musique. Nirvana de l'équipe avec... Il a les cheveux longs. De quoi? Il a les cheveux longs, non, lui? Non, c'est celui aux cheveux verts. Bah, des pirates? Non, juste deux équipes. Bah, c'est l'équipe où Victor, il marque un but contre son camp. Attends. C'est le collège de la foi toute-puissante. Ah oui, ouais. Avec Millennium, Beyond... Ah bah dommage, celle-là était facile en plus. Allez, envoie la 7. Géant. Putain, le géant. Goliath. Oh là là. Allez, la 7. Dans Inazuma Eleven 1, il y a un joueur qu'on peut recruter, mais qui fait pas partie de... Et on le recrute facilement dans le jeu, mais on doit lui parler. Il s'enfuit plusieurs fois. Paul. Comment il s'appelle? Putain, mais vas-y. Paul. Tu dis la réponse quand j'ai fini la question. Paul Peabody. Oh non. Ouais, c'est ça. Faut lui parler 15 fois à chaque fois, sinon il part en disant qu'il est petit, qu'il est triste et tout. Ouais. Je m'en rappelle. Au final, ça restera une merde. Non, arrête. Il a main de lame dans les jeux. Ah, dans Chronostone, mais... Non, dans... il a main de lame dans Striker et Ghost Striker. Ah, putain. Main céleste, main magique et main de l'âme. Mais Ghost Striker, on peut pas y jouer. Ah, moi oui, parce que j'ai craqué ma Wii. Putain. Bref. Question 7 pour toi. Alors, oui. Ah oui, quels sont les deux joueurs dans l'animé qui utilisent Passage Presto dans Go? Donc. Bah, facile, le premier déjà. Ricardo. Ouais, bravo. Demi-point, moi. Oh putain, je suis trop content de moi. C'est le deuxième. Et le deuxième,
Déjà, faut que je trouve l'équipe. Dans l'animé ou dans le jeu? Ah, les deux. Go? Ouais. Bruh. Ok, comment il s'appelle? Eugène. Eugène, et c'est ça. Non, perdu, c'était Shunsuke. Mais non, mais... Ouais. J'adore le petit... à la fin. J'en ai marre. Oh là, au niveau des points, on est à 3,5 à 3. Oh, je te banne un demi-point. Oh, c'est tout? Ouais, envoie la huitième. Ah, je m'en non. Non, t'inquiète. Envoie la huitième question. Ok, j'en suis où? Ok, c'est bon. Qui sont les deux premiers à avoir leur Miximax Trans dans l'animé de IE Go Chronostone? D'accord. Alors, Faye, au tout début. Mm-hmm. Et après, c'est... Si je me trompe pas... Ouais, c'est Vladimir. Non? Putain. C'est ça? Si, c'est attends, ça. Attends, non, mais... Ah, mais non. Parce que moi, j'ai pas compté Faye et Vladimir. Genre, tu sais, quand ils partent pour la quête de l'équipe ultime. Ah, l'équipe ultime. Ah, ok. Uniquement de l'équipe ultime. Et voilà, ouais. Pardon, ah, ouais, ok, ouais. J'ai mal formulé ma question. Ah, merde, ça aussi, j'y réponds. C'est Ricardo et après, c'est Gabi. Va te faire foutre. Arrête, c'est ma saison préférée, je la connais par cœur. Putain, mais ouais, mais aussi pourquoi je pose des questions sur Chronostone? Allez, à toi. Quelle est la technique de dribble de l'équipe Alliance du Dragon? La technique de dribble que tous les joueurs ont, quasiment. Du dragon. Oh, l'Alliance du Dragon, c'est contre la finale. Ouais, ouais. Ouais, mais je sais pas la... Putain. Oh là là. Je dirais tourbillon du dragon. Eh ben, pas du tout. C'est le passage dimensionnel. Oh, ah non. Tu connais pas? Ah si, si, mais non. Mais ils l'ont toutes. Bon, tant pis. Allez, ouais. Envoie-moi la 9. Ouais. Donc. Et même question qu'avant, mais cette fois-ci pour les armures. Sans compter, bien évidemment, Vladimir et Faye. Bah, c'est Arion, la première armure. Et non, ah. Après la quête de l'équipe ultime. Genre quand ils ont commencé l'équipe ultime. À partir de l'époque de Nobunaga de... Oui. Bah Arion il avait déjà. Non. L'armure. Parce que tu sais il l'a utilisé. Mais après il n'arrivait plus à l'utiliser. Ouais justement promis, c'est et c'est David Evans qui lui a appris à... Non c'est Tescat qui lui a appris à l'utiliser au sanctuaire. Ah bon? Si si. Tescat qui lui apprend à utiliser bien son armure. Ouais je sais mais c'est... Tu crois? Si si oui je me rappelle. Donc, tu veux pas qu'on compte Arion? Ben, c'est Victor qui l'apprend avec David Evans. Après, c'est JP et ensuite Ricardo, à l'époque de Nobunaga. Ben, et, JP, il l'apprend après, non, largement, mais... pas l'armure. L'armure, il apprend contre la bande du cerf blanc, avec le tir d'arquebuse. Oh là, mais laisse tomber, là, t'as le point, parce que... Moi j'ai pas du tout mis ça. Ah, je pensais que c'était Ricardo et Arion. Et Victor, non. Pardon. Oh pas du tout. C'était avant Victor. Victor c'est avant. Les deux. Je pensais que les deux premiers. Réflecteur 3D. Je pensais que les deux premiers à avoir leur armure dans Chronostone, je pensais que c'était Ricardo et Victor. Ah ouais non. Mais... Bon bah même moi, tu vois, je sais même pas les réponses à me dire. Bah c'est pas grave, hein, ça arrive les erreurs. Allez, oh là 9ème là. Question. Facile. Comment s'appelle l'esprit guerrier Kakao Kao? Alors, putain... Facile, Zanark l'utilise. Oui. Bah, non, c'est pas l'ouragan. C'est l'autre. Putain, mais... Mais non, mais... Oh, quel boule. Facile, allez. Bah, vas-y, le début, c'est Guangyu, le guerrier du Nord. Voilà, Guangyu, le guerrier du Nord. Bah, je t'ai quand même bien aidé quand même pour la trouver. Ouais. Allez, demi. Parce que t'as quand même trouvé le nom à la fin. Ouais. Dernière question, vas-y. Envoie-moi là. Donc, dans le jeu Chronostone, ouais. Pour un attaquant, si on augmente l'interception d'un attaquant, quelle capacité baisse? L'interception? Ouf, attends. Ouais, si on augmente son interception. Tu sais, par exemple, pour un goal, si on augmente l'interception, c'est la précision qui baisse. Ouais, je sais.
Et si, alors que pour un attaquant, si on augmente l'interception, quelle capacité baisse? Je dirais la vitesse. Non, c'est la frappe. Ah bah, je savais pas. Parce que je sais qu'on perd de la frappe en attaquant quand on améliore la précision. Bon bah tant pis, là j'ai pas le point. Allez, dernière question. Dans Ghost Striker uniquement, bon je t'ai adoré. Quel est le joueur qui s'est utilisé Main Céleste V? Putain mais j'ai pas Ghost Striker. Il y a Mark Evans et il y a un autre gardien. Bon bah je te fais 4 propositions. Attends, non t'inquiète. Il y a un autre gardien qui peut l'utiliser, mais qui normalement l'a pas dans l'animé. Main Céleste V. Ouais. Ghost Striker, ça... Et dans Ghost Striker, attends, je veux juste savoir ça. Ghost Striker, il n'y a pas tous les personnages genre Paolo et tout. Si, il y a tous les anciens quand même. Ah. Donc. Bon, va être sympa, je te dis 4 joueurs, tu dois me trouver lequel c'est. Est-ce que c'est Arion? Est-ce que c'est Darren? Est-ce que c'est Hector? Putain. Quoi? Mais j'hésitais entre Hector et Darren. Ou est-ce que c'est Paul Peabody? Franchement. Allez, lequel des 4? Tout à l'heure, tu m'as dit que Paul Peabody avait main de lame et main je sais plus quoi. Attends. Oh, je m'en rappelle. Oh non, mais je suis un boulet. Allez. Non. Putain, j'hésite entre les 3 là. Bah vas-y. Bon, Arion, c'est mort. Paul Peabody aussi. Darren ou Hector? Darren, je dirais. Hector, il a ses techniques de base, je pense. Je dirais Darren. Bravo. Non, c'était Hector. Putain! Ah bah désolé. Bon bah alors les points. Je suis à 5,5 et toi t'es à 3,5. C'est pas marrant de se moquer. Désolé. Oh là là, je suis une merde. Oh putain. Non, en vrai je vous dis les gens, on a fait la vidéo à l'improviste et tout. J'aurais pu faire largement mieux en plus. Non mais moi aussi 5,5. Alors que quand je faisais mes vidéos quiz, j'avais genre une erreur par vidéo, quoi. Avec une héros de merde. Une héros de casse les couilles. J'aurais déjà pu avoir 4,5. Ça aurait été déjà proche de toi. Ouais, bon. On se croira en contrôle, là, où on essaie de gratter un point pour essayer d'être à 3 au lieu de 2. Ah non, moi je fais jamais ça, de toute façon je m'en fous, parce que au pire je serais toujours en dessous de la moyenne. Si je pense la vidéo, je la ferai en 2 parties. Ouais, parce que là, ça va être hyper long. Ouais. Eh ben, j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. Je trouve qu'on s'est... Ben, moi, personnellement, je me suis bien amusé. Je sais pas toi, Diablo. Ouais, si, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai, on a bien rigolé. Et genre, j'ai gagné. Je suis assez content. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'était vraiment bien. Mais putain. Merci. Franchement, c'est vraiment bien marré. En plus, tu me l'avais dit, hein, ça permettra de passer un moment cool et tout en faisant du niaisma et en tournant une vidéo. Et c'est ça. Et genre, sur le coup, il s'est dit quoi, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Hey, tous, moi, eh ben si, c'était possible. Et ouais, comme quoi on peut tout faire en même temps. Et ouais. S'éclater, faire du Inazuma tout en s'occupant de notre chaîne YouTube, voilà. Bon bah, on va se quitter là-dessus alors. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller voir la chaîne de Diablox Gaming qui sera en commentaire. Et lâchez un max de pouces bleus pour cette vidéo. Likez la vidéo, les potes. Et vous inquiétez pas, il y aura bientôt la suite avec les autres membres. Allez, ciao. Ciao.